a des fuites ici. Tu m'étonnes, avec une cité sous l'eau, c'est sûr ça aide pas. Bah sinon donc, salut à tous et à toutes, c'est moi le fils 511. Ah oui, pardon, excusez-moi, merci. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Bioshock. Et oui, encore du Bioshock, bon, ça sert à rien que je dise ça parce que il y a qu'une seule personne qui regarde Bioshock, hein. Oui, je le remarque, hein. Oui, toi qui regardes cette vidéo, je te parle à toi. Donc voilà, merci de suivre ce let's play. Faire un let's play pour une seule personne, c'est quand même assez fou. Non, mais il faut bref. Ouais, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien épisode? Donc, dans l'ancien épisode, on avait récupéré l'appareil photo, donc ceci, pour pouvoir prendre en photo des crozons de plafonnier et les récupérer à Peach. Et c'est tout. On l'avait fait dans l'ancien épisode, on les avait pris les trois photos et on avait libéré les petites sœurs restantes. Et là, on devait retourner à l'Eloi pour lui donner les photos. Donc, si je me souviens bien des commandes. Donc, oui, d'ailleurs, dans l'ancien épisode, c'est une porte que j'avais bel et bien pas explorée. Non, je suis pas coincé, t'inquiète pas. C'est une porte que j'avais bel et bien. Que je n'avais pas explorée. Je vais arriver à causer. Alors, logiquement, le son est assez fort. Je pense, hein, parce que bon, sinon, on va se casser les tympans. Quelqu'un qui chante, c'est très inquiétant. Ah, elle est là. Ce qui me fait rire chez les crozomes tout court, c'est qu'ils disent qu'on est immonde, mais ils n'ont pas vu leur gueule. Hein. J'ai une mission anti personne, j'en ai 3. Hein. Pas les... Faudrait peut-être que j'utilise un peu le flingue. Et... Ah oui, c'est par là. Putain, voilà. J'avais bien cru qu'il y avait une autre sortie par là. D'ailleurs, faudrait peut-être aussi que je trouve des améliorateurs d'armes parce que j'en cherche depuis belle lurette et je n'en trouve pas. Ça m'énerve. Ça, vous avez ces temps-ci, j'ai vachement. Non, on va garder ça pour les protecteurs. Parce que bon, voilà. Vous m'excusez, mais ce tour. Les pirates. Les pirates. Je vais... What the... What? C'était des pixels qui nageaient, quoi. Je crois que c'était censé représenter l'ombre des poissons, mais c'était mal fait, on aurait dit des pixels, quoi. Des pixels aquatiques. Ils existent. Non, bref. Wow. J'ai entendu une voix de femme. Il y a une femme. Ah mais putain, je... Mais what? Mais il y a des tuyaux partout ici. C'est un protecteur, ça. Les mecs qui sortent de nulle part, non merci. Hein. Y avait un protecteur là. Bah oui, vu le boucan, oui. Et y a plus de petite soeur, mec. Tu vas galérer un peu. Donc on est d'accord, j'avais tout exploré. Voilà, mon objectif est juste là, parce que tout est en clair. Là c'est la suite, c'est la zone d'après. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre que j'ai toujours pas de. Ah, okay. D'améliorateur d'armes. Je ne cherche que ça. Je ne vis que pour ça. Ah, nickel. D'ailleurs, bah, en me rendant chez Peach, je devrais avoir. Sors le piège. Attendez. Frappeur sourd. Oula, j'ai vu des trucs tomber au plafond, c'est pas bon du tout.
étouffe le bruit de vos pas et augmente les dégâts des attaques de mêlée sur des ennemis pris par surprise. Oh, c'est pas trop mal. Bon, attendez, c'est bon. Attends. Photo. En fait, je viens de me souvenir, la barre en rouge, en fait, faut qu'elle se remplisse entièrement pour débloquer un nouveau truc. Voilà, et le A, c'est juste... c'est ça que je voulais. D'habitude, ça marche bien. Bon, attendez. Charme. Allez, injecte-toi. Ah, j'ai cru qu'elle allait revenir au plafond. Ah, bah nickel. Mais que dalle. Ah oui, je veux pas en éclat cryogénique, mais j'ai plus de place. Ou alors j'ai. Non, je vais garder la. Oh, putain, j'en ai pas beaucoup. Je vais garder la dent pour le prochain niveau. Comme ça. J'en aurais assez. D'accord, ma tourelle est détruite. Ah bah cool, une grenade. J'ai toujours trouvé des trousseaux sont partout. Je peux prendre ça? Ah. Bon, ouvre-moi. J'ai tes putains de photos là. Je croyais que vous aviez eu votre compte. Vous avez quelque chose pour moi et mon équipage? Ou vous venez vous faire débiner? Attendez une petite seconde. Je vais faire du café, sortir les couverts en argent et tout ça. Je te fais pas confiance, mec. Je le sens qu'il va nous faire un coup de pute. Un petit conseil avant que vous n'entriez dans les déchets. Le vieux Peach m'a l'air aussi tendu que la main droite du malin. Alors, vous voyez un levé, d'accord? Ok. Personne ne peut se pointer ici avec des flags. Bon, j'aurais toujours mes plasmides, hein. Si c'est son prix, il va falloir le payer. Mais il ne peut pas vous prendre vos plasmides. Non, il ne peut pas. Pirate concentré. Deux plaques de surcharge en moins lors des piratages. Ah, voilà! C'est carré pour se piquer. Mais il faut prendre la main avec la plasmide. Bon, bah, prends ça. D'accord, j'ai le droit d'avoir ma clé anglaise, mais c'est une arme. Enfin, je sais pas. Oh, après. Oh, attends. Petit piratage automatique, mec. Ça ne se refuse point. Ok, il y a des bidons explosés partout. Bon, on va se faire agresser, hein, c'est sûr. De toute façon, on va devoir buter tout le monde dans cet endroit, je suis. Oula. Je parie que quand votre patron s'est échappé de l'enfer, il a dit au diable qu'il aurait fait tout de suite et le diable lui a répondu. Je vous garde une place. Ryan a juré que Fontaine n'était plus que poussière et vous voilà en train de faire son sale boulot. Ce qui fait de Ryan un minable et de vous un. Quoi? Tu es en train de me traiter d'un. D'un complot? What? Ok! Non! Putain, y'a une... Ah, d'accord, je peux toujours prendre des photos d'ailleurs. Ah! Putain, faudrait qu'ils viennent dans l'eau là! Ah merde, oui, c'est vrai, il y a de l'eau. Ah d'accord, c'est parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent et dedans il y a des. Ok. Mais putain, ça me. Regardez, je donne un coup rapide sur le stick et ça me fait au bas. Mais putain, c'est le bordel! Le problème, c'est que je peux pas.
Sérieusement, c'est le bordel, mais... Putain! Je vais prendre un peu de chips. Sérieusement! Mais quoi? Ok, lui, il est mort. C'est bien. Eh, hey, mais cette putain de tourelle! J'aurais peut-être dû la pirater depuis longtemps, mais désolé, j'y ai pas pensé sur le coup. C'est le bordel sur Terre, quoi, sérieusement. Ah, mais c'est le bazar. Oui, faut en faire des zigzags, c'est sympa, mais c'est un peu chiant. Et j'ai pas ce que je veux. Non, comme ça. De toute façon, c'était sûr, hein. Tout le monde nous trahit dans ce putain d'endroit. En effet, ça marche bien! De toute façon, je crois qu'il y a Peach à un moment qui va venir nous voir par lui-même. Quand tu te casses? Attends, elle est où cette connerie de caméra là? Bouge pas! Je vais te donner un coup de jus! Et lui là-bas? Elle est où cette putain de caméra? Oui, bon, là je sais qu'il y a une caméra, mais c'est là-dedans. Elle est où cette connerie de caméra? Je vous jure, je ne la vois pas. Mais elle est où? Ah, mais putain, elle est là! Eh, mais fallait la voir! Je vous jure, je la voyais pas! Non, c'est pas ça que je voulais faire, mec. Je ne la voyais pas, je me disais, mais putain, elle est où? C'était la question à 1 million, quoi. Ouais, le problème, c'est que tout pirater à la fin, c'est pas une bonne idée, hein. Ah, putain, d'accord. Ouais, comme ça, il devrait se faire pourrir par tout ce qu'il y a sur cette terre. Nickel, va dans l'eau. Ça s'en bat les couilles. Hein? Ah mais, putain! Oh merde, putain, je vais crever. Je devrais peut-être les fouiller un peu, non? Ah, mais quel abruti! Mais je pouvais récupérer une arme sur eux! Mais oui, mais bah oui, en fait, c'est logique maintenant que j'y pense. Oh putain, mais le mec a jamais joué à des jeux vidéo de sa vie, quoi! C'est vrai que je pourrais piquer des balles sur eux. Teubé, moi, je te jure. Bon, tu crèves? Écoute, mec, là, c'est un peu la guerre. Donc un. Hein.
il se fait pourrir dans l'eau, c'est drôle. Je les crains parce que le feu, il kiffe pas ça. Hein. C'est fini ou il y a encore des amateurs? Putain de... Voilà. Avec un tout pourri. Ouais, une balle. Ah, c'est bon? Bah, attendez. Merci. Je récupère tout ça, parce que ça... Hein? Oui, recharge. Bon, alors, on va explorer tout ça. What? Ah bah oui, attendez. Bon, bah, c'est inutile, c'est le travail, hein. En effet, c'est très pratique parce qu'en fait, si je les crame, ils viennent tous dans l'eau et vu que la caméra était là, bah ils viennent se tuer tout seuls. Littéralement. Bon, c'est assez bordélique. Je ne sais même pas si on a vu Peach dans le coin. Mais bon, tant pis. C'est vrai que j'avais pas pensé à récupérer un flingue sur eux. Je sais pas, sur le coup. Ça me paraissait pas évident. Parce que je suis con. C'est pas nouveau, vous me direz. Tous mes amis vous le diront. Oh, money. C'est un money, mais putain. Ah, mais cassez-vous. Putain, un petit piratage auto, ça c'est génial. Alors. On va voir à côté. Même si je crois qu'il y a une caméra, si je me demande. Bah non. C'était de l'autre côté, je sais plus. En tout cas, ça sert de garder l'incinération, hein, ici. Bonjour. Nickel. Ah, attends. Eh ben, dis donc, il y en a des trucs à cramer, ici. En un claquement de doigts. Ok, que dalle. Génial, mais là-bas, il y a des choses. Des cadavres. Ok, donc ça marche bien comme ça. Nickel. Combien de seringues? Ah, deux, je vais voir 25 seringues, j'allais faire, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a marqué? It was F. It was F. Osef. Mec, quel blagueur. Bah, y'a rien d'autre. J'ai nul en fait. Putain de... Ah, m'énerve. Bon, bah on va continuer, hein. Ça fait seulement 18 minutes. Ah bah enfin! Ça j'aime! Putain! Amélioration des dégâts. Cadence de... Parce que j'utilise beaucoup le pompe. Hein. Bon vas-y, j'améliore les dégâts. Et vous voyez, vous pouvez voir qu'il y a un nouveau Jojo qui se rajoute. Ça n'avait pas marché. En effet, ça marche bien. Qu'est-ce que... Ah! Putain, merde. Il sort. Il y a un mec, il était là. Tu sais pas d'où il sort, mais il était là. Alors, oui, je sais, il y a un coffre. Ah, attendez, ça, je vais le lire maintenant. De toute façon, je vais faire un auto-piratage sur le coffre, parce que j'ai la flemme. Je tiens quand même à dire que... oui, je viens de remarquer que j'ai 4 flèches d'autopiratage. Enfin là, j'en avais cramé une pour pirater le coffre parce que j'avais la flemme de faire. Mais dans le coffre, il y avait encore une flèche d'autopiratage. Donc c'est nickel. Vous ne
Waouh, c'est perspicace. Ouais, je me disais bien que la sortie était par là, parce qu'il n'y avait pas la coqueuse, hein. Non. Et ça, là-bas, c'est quoi, alors? Je me disais, attendez, t'as même pas bon répondre. C'est vrai que congeler des armes, c'est super utile, mec. Bon, de toute façon, c'est par là. Les fantômes, ça nous indique que... Bah, c'est par là. Alors, hop, hop. Hop, aussi. Voilà. Nickel. Vous imaginez, on a, si y a un claquement de doigts, vous pourriez tout cramer comme ça. Vous l'avez vu. Tout devrait bien se dérouler maintenant. Il faut retrouver plus loin. Donc on l'a bien buté, mais je ne l'ai pas remarqué. Je cramais tout le monde, donc. Ok. Fondu en noir. Cache des contrebandiers. Des fuites, des cinglés, une rébellion, et maintenant des fantômes. La vie n'était pas formidable, la rapture. Non. S'il y a ça, non. Moi, tu sois vachement chelou, mec. Mais bon. Les contrebandiers sont... Ok. Sauvegarde automatique. Je crois que c'est une petite zone ici. Ouais, voilà, c'est une ligne droite. C'est bien ce que je me fais. C'est une ligne droite. Je croyais que c'était ça, notre premier améliorateur d'armes. C'est un peu dommage. Flashback. Alors ça, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est notre photo de famille au début du jeu, avant le crash. Hein. À moins de 100 mètres, j'avoue, c'est pas... Qui me lance de l'alcool? Bonjour monsieur. Vous étiez sur votre radeau? Ok, déjà toi. Ok, je crois que lui aussi me voit. N'oubliez pas, je la bousille, hein, parce que bon, voilà. Parce que j'aimerais bien avancer dans le jeu et arrêter de faire des piratages toutes les 30 secondes, parce que sinon on va jamais avancer. Encore toi? Et la nôtre plutôt du genre de celle qu'on traîne aux pieds avec un gros boulet au bout. Il est là-haut dans la forteresse polâtre en train de culbuter des mannequins. Nous, on partouche dans ce trou à vider du poisson. Avec Fontaine, on peut espérer mieux. Il est comme nous, vous savez, mais il n'a jamais eu besoin de travailler. Il dit de le rejoindre à sa boîte de conditionnement à 11h. Je vais y aller avec les gars. On sait jamais, et ça pourrait empirer. Ah, j'ai mal au cou. Je pense que ça s'entend, hein. C'est pas la première fois que mon cou il craque violent en vidéo. Ah merde! J'ai bourré, ouais. Oups là, j'ai pas réussi à me piquer les veines. Putain, le mec il s'est bourré la gueule quoi, mais littéralement. Positionnez l'interrupteur dans la cabine de contrôle et laissez-moi entrer. Je crois que c'est grand temps de nous serrer la main et de faire connaissance. Ah, un bug! C'était peut-être un bug que les speedrunners utilisent. Tiens, Ryan! Je crois que la plaisanterie a assez duré. Et si vous appuyez sur ce bouton, vous allez comprendre ce que c'est que d'être vraiment nouveau. Oh bah tu sais, hein. Tout ce que j'ai affronté. Comment on fait pour tous se parler comme ça? Déjà, j'adore, il me dit sur ce bouton, mais le bouton il est à 3 km. Non, je vais pas l'en tirer. Ah, mais alors bas ma clé anglaise maintenant. D'accord, donc maintenant mon pistolet est en haut et la clé anglaise en bas. Ok, d'accord. Donc sa famille est là-dedans, d'après ce que j'ai compris. De ce que j'ai compris. Ok, il est là. Tiens, on est obligé. Thank you.
Ah oui, d'accord, des gros zones plafonniers. Captain Obvious. Bon, tu mourres. Mec. Bonjour. D'accord, et c'est à moi de me le coltiner, quoi. Oh putain, ouais, ça marche bien, là, le pont. Attends, je vais peut-être prendre un peu de photos. Non, les photos. Sinon, on va jamais avoir des améliorations. À toi. Mais qui prend des photos, calme, tu sais. Nickel. Oh, what? Quand vous fouillez des conteneurs ou des corps, vous pouvez effectuer une nouvelle fouille pour trouver d'autres objets. Mais c'est génial! Je me stocke pour plus. Oh merde. Plus tard? Attends, elle va vite mettre là. Ça a pété. Et toi t'es vraiment couillon. Mais quoi mais... Ah mais putain ils sont là-bas mais... Les mecs ils sont à 3 km de moi mais ils arrivent à me toucher. Attends, voilà. Casse. Et le jeu a du mal hein. Toi, tu commences sérieusement à me péter les couilles. Casse-toi. Par contre, il y avait beaucoup plus de crozons de plafonnier dans... Ok, bah là, le bug m'a été très utile parce que j'avais oublié que la clé était en bas. J'ai passé la matinée à discuter avec la scientifique. Ah, on t'aime. Ça a pété. Vous vous introduisez comme un assassin avant de fouiller comme un voleur. Vous n'êtes pas un barbouze de la CIA. Qu'avez-vous à faire ici? Il y a deux manières de résoudre un mystère. Soit le détruire, soit le détruire. Sauf que si vous le détruisez, on peut pas en apprendre plus, hein. J'aime bien quand ils mettent une musique mélodramatique alors que c'était pas notre famille, c'était pas les personnages qu'on connaît, on a même pas vu leur visage, limite, ça nous fait ni chaud ni froid. Même le personnage il s'en fout quoi. Mon dieu! Putain, ce jeu d'acteur. Le personnage il doit s'en contrecarrer, mais littéralement quoi. Arcadia. Arcadie. 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 Arcadia. Oh là là. Pourquoi vénérer un drapeau ou un dieu quand nous pouvons vénérer ce qu'il y a de meilleur en nous? Notre volonté de grandeur. Un doux voyage. Voilà, voilà. Visez la tête, les dégâts seront plus importants. Sans blague. Tu crois? Je suis pas sûr. Heureusement que tu me le dis, hein. Je pensais qu'il fallait viser les pieds. Est-ce que nous anarquons un peu les gens? C'est bien possible, et après. Oh lol. Énorme. Énorme quoi, je kiffe. Bon, 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 bon. Je regarde l'heure derrière moi. Parce que bon. Bah non, là, t'es un peu. Bref, voilà quoi. Parce que, encore une fois, cette vidéo, je la tourne un matin avant d'aller en cours. Parce que j'ai du temps. Mais pas fait. Patrick, c'est encore un coup de rayon.
baleine, monsieur. Allez à la bâtisse avec la ligne roulante. Elle vous mènera tout droit au démon. Et alors, il sera temps pour lui de payer. D'ailleurs, il y a deux petites sœurs ici et non trois. C'est nickel. Ça fait moins de taf. On peut voir qu'ici, c'est un peu les jardins. C'est très joli en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est, je sais pas pourquoi, c'est pas une zone que j'apprécie énormément. Je sais pas pourquoi, je sais pas. On dirait que des pauvres diables se mettent à voir des fantômes. Des fantômes. Ryan dit que c'est un effet secondaire des plasmides. Les souvenirs d'un crétin sont transmis à un autre par la manipulation génétique. Des fuites, des cinglés, une rébellion. Et maintenant, des fantômes. La vie n'était pas formidable, Arthur. D'après ce que j'ai vu, le fantôme commandant, c'était un peu une pute. Oh non, pas eux! Putain, fallait qu'il soit. Fallait qu'il soit là. Ouais. Salut. T'as pris cher. Ça, c'est des Houdini. Mais il est mort! Mais il est mort! Il a plus de vie! Non, ok, on vient là. Je lui ai foutu du pompe dans la tête! Putain, le mec, il est censé être mort, quoi. Ah, tiens. Pas mon ombre. La lance grenade. J'ai trop de grenades. Merde. J'ai pris une clope. Enfin, vous me direz, le personnage il fumait dans la. Donc, ça doit pas trop le déranger lui, mais bon. Mais putain, mais. Ah, oh, vous êtes incroyable. Là, c'est la porte qui se ferme. Je sais. J'ai l'impression de. Mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fous? Je ne sais pas. 30 secondes. Là, ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un fantôme pute. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Eh, petite ici, hein. Ah, t'es une bombe, ça te voit. C'est qu'à chaque fois que je lis une cassette, t'as toujours des putains de fantômes qui se ramènent, c'est un peu chiant. J'ai une sacrée nuit qui m'attend. Attends. J'ai même deux billets pour la closerie d'été. Je connais rien de mieux que la nuit d'Arcadie. Je n'ai plus qu'à passer chez Ecosoin prendre une prose de soin en sécurité. Il paraît que ce n'est pas la première fois qu'Angelina visite la closerie d'été. Bon bah, on va le voir. D'accord, je pense que c'était le mec qu'on vient de voir. Arrêtez, il est mort là! Non mais, hé! Hey, c'est scripté votre truc là! Ah là, Bioshock, non, hein! Pas bon là! Ça, c'est scripté à la moelle. Merci! Voilà, Crozo Moudini. C'est qui est en train de jouer là? Mais what? Mais calme-toi! Qu'est-ce qui lui arrive à lui là? Il est en train de se faire un petit plaisir ou? Aujourd'hui, l'Arcadie n'était ouverte qu'aux clients payants. Ce type m'engage pour planter une forêt au fond de l'océan et il fait d'une promenade dans les bois un produit de luxe. Ryan m'a dit, un fermier ne doit-il pas être libre de vendre sa nourriture? Un potier n'a-t-il pas le droit de vivre de ses poteries? J'ai essayé de discuter avec lui, mais je sais qui signe mes chèques. La seule chose qui soit pire qu'un hypocrite, c'est un hypocrite de chômage. C'est bon, il y a aussi, hein. Ouais, oh.
Oh yeah. Je la prends par le cul. Oh, c'est dégueulasse cette phrase. Pardon, excusez-moi. Je la prends pas. Enfin, en photo derrière, voilà. Ça, c'est dégueulasse. C'était pas voulu, je vous jure. Bonjour. T'es pas morte? Non, mais, meuf, t'es sérieuse? En tout cas, tu chantais bien. Juste pour te dire. Ouais, comme ça, un petit compliment avant de te buter. Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée de descendre. Il est quelle heure? Et ça fait combien de temps? 36 minutes. Ah, J'ai essayé de lui faire un... Oula. Un headshot, mais ça a pas très bien marché. Ah, on se retrouve au-dessus de là où on était tout à l'heure. Regardez, je reconnais l'endroit là. Toi, t'es mort. Non, je connais un truc derrière. Ah, excusez-moi. Non, j'entends des bruits, mais en fait, c'est mon chat. Comment elle a pu passer alors que la porte est censée fermer? Attends, toi, Jean. Vous êtes quoi, vous? Julien, réaction image. Ah, des gros hommes, grosses brutes. Ok, d'accord. Ah, t'as rien compris à ta vie. Ah, d'accord, c'est une tourelle. Non. Ah, l'arc. Non, je vous jure, j'ai vraiment la flemme. J'ai vraiment pas envie. C'est fou, mais j'ai envie d'avancer en fait. Ok, ici y'a rien, mais y'a ça. Peut-être prendre un peu. Ah, tiens, je vais recharger la mitrailleuse, c'est une bonne idée ça. Oh. Bonjour. Ouais. Putain, il me reste 5 autopiratages. Moi, je l'utilise. Hein. Attendez. Du napal. Je récupère plein de trucs pour une future arme, mais bon. Meuf. Voilà. Fallait faire attention. Ah non, c'est de l'autre côté. Ah, c'est là. D'accord. Je vais dire, meuf, fais gaffe. Il y a quelque chose. Alors, je récupère plein de trucs. Tant mieux, peut-être que c'est pour une future mission. Hein. Il faudrait vraiment que je trouve un jardin des glaneuses. C'est vachement pratique. D'accord, ok, je suis là. Donc pour éviter tout futur problème, on connaît la donne. Et elles sont... Ok, d'accord. C'est parce que j'ai enlevé des trucs? Tu vends pas des chevrotines, toi? Non. Un petit peu chiant. Ah oui, oh putain, ouais, j'ai failli oublier ça. Ok, apprends à viser. Hein. Comment elle a pu sortir de là alors qu'elle était censée être bloquée? Je sais pas. Trousse de soin? Ah oui. Quoi? Une trousse de soin? On va bientôt s'arrêter! Ouais! Oh mon dieu! Quelle moche! J'adore faire ça! Je kiffe! Les gens qui comprennent rien à leur vie. Non, non. Ah! J'utilise pas beaucoup de lance-grenades, vous m'excusez, mais bon, pour une arme aussi puissante, la garder pour des ennemis tout aussi puissants, hein. C'est vachement pratique. Ah, c'est chiant, c'est pas de la glace, c'est de la terre. J'ai pas une plasmide pour creuser, c'est ballot. Quoi? Ah, ok, y'a un cadavre là-dedans, j'ai pas remarqué. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, mec? Le mec, il raconte des trucs. Tu sais que je m'en fous un peu de ta vie. On est de l'autre côté. Les Saturiens? Tu me prends pour un alien ou quoi? Dans les fougères! Ok. Ah, c'est Houdini.
ça que t'appelles les achetons machin. Aucun jardin des glaneuses, c'est un truc de fou. Ah oui d'ailleurs, je vais peut-être te fouiller. J'aimerais bien en prendre un en photo. Ah bah voilà, c'est, on peut inventer les objets maintenant. Et je vais inventer ça, voilà, ça c'est cool. Je suis un paparazzi avec mon appareil photo. Oh putain, il y a tellement de chemin. Bonjour monsieur. Oh putain, oui, merde. Bon, c'est quelque chose. À part des trucs pour se bourrer la gueule. Ah, donc ça a inversé les rôles du pistolet de la clé anglaise. C'est pas pratique, ça. What the fuck ? Ok, il y a des feuilles d'or. Ah, j'entends un Big Daddy. Un protector. Oh, putain, mais il y a tellement de chemin. Nickel. Je voulais prendre une photo. Voilà, Crozo Moudini. Nickel. Vachement mal. Oh merde. Chiotte. Je peux pas utiliser mon arc électrique, c'est une très mauvaise idée vu que je suis dans l'eau aussi. Ça se fight en bas, en haut. Je sais pas ce qui se passe, mais ça se... Ça se bagarre. Ah putain, jardin des glaneuses. Ah putain, enfin. Bon, je le place là, mais on s'en fout. Et je vais acheter, voilà, éclat cryogénique. On va mettre un peu sur ça. Voilà, nickel. C'est pratique, mais le problème c'est qu'après on peut pas récupérer les trucs sur eux. J'ai plus rien. Est-ce que je me le fais rapidement? Puis après je sauvegarde ici. Je pourrais. On va prendre des chevrotines uniques. Une munition perforante, même si j'en ai pas beaucoup. On va utiliser les grenades infrarouges pour vous montrer la puissance du bordel. Ah oui, tiens, attends. Déjà. Là, deux. Prends des photos, hein. Prends des photos, parce que bon. Hein. Oui, bah ça va, hein. Tu fermes ta gueule, hein. Bon, on se dépêche de le faire. Allez, c'est parti. Non, je veux. L'arc électrique, putain! Mal ce con. Oh merde. Voilà, nickel. Allez, je te sauve. Comme ça, ça sera fait et on pourra s'arrêter ici. Voilà. Nickel. Ça me fait un peu d'aller. Tu as apporté la lumière dans les ténèbres. Tu as sauvé les petites sœurs quand tu aurais pu déchaîner ta cruauté. Je t'envoie quelque chose en guise de remerciement. Bah, je suis déjà là. Votre récompense sera dans un nounours près d'un jardin des glaneuses. Bah, attendez, je vais m'éloigner un peu. Bonjour monsieur. Hein. Bonjour monsieur. Ravi de faire votre connaissance. Pas trop de problèmes, j'espère. Au revoir. C'est drôle. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Mais de rien, mes petits. 200 personnes. Réduire la difficulté du piratage des coffres et sécurité de commandement. Et les chevaux.
Ah, si vous n'avez pas visité le jardin des papas. J'aime bien mon mec parce que. Les papas malins vont toujours au jardin. Les papas malins vont toujours au jardin. Arc électrique 2. Ah. Ah. Attendez, il y avait un truc que je voulais améliorer. Emplacement de fortifiant physique. Emplacement de fortifiant de manufacture. Emplacement pour fortifiant de combat. C'est physique ou c'est... Non, c'est manufacture. C'est pas celui-là. Le plaque de surcharge en moins lors des piratages. Réduit la difficulté des piratages des codes. Physique. Je vais tout essayer. Ah oui, voilà, c'est... Voilà, quand vous fouillez des conteneurs ou des corps, vous pouvez effectuer une nouvelle fouille pour trouver d'autres objets. Ça, c'est génial. Et j'ai pas assez pour améliorer ma vie. Merde. C'était pas pratique. Bon, bah, tant pis. C'est parce que je me suis trompé une fois. Hein. Excusez. Bon, bah. Oula, oui, on va s'arrêter parce que ça s'arrête à 8 minutes. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, je me dépêche, vous m'excusez parce que là, je dois vite arrêter la vidéo. On va s'arrêter ici devant le jardin des glaneuses et devant cette bouche d'agression. Je m'épose, vous m'excusez parce que j'ai pas envie de me faire agresser. Ah bah oui, en plus ça nous fait déjà une petite heure de sauver, donc il en reste plus qu'une. Bah c'est... je vais devoir faire un montage pour 30 secondes de vidéo, c'est pas grave, ça s'est arrêté à 47, je t'emmerde. Bah c'est pas grave, donc sinon j'espère que cet épisode vous a plu, parce que ça m'a arrêté en pleine phrase. Laissez des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez, et moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6 de BioShock. Allez, salut et à la prochaine. Voilà, la vidéo va faire 20 secondes, je vais devoir faire un montage pour 20 secondes. Merci, la caméra, je te déteste. Allez, salut.